Coucou les filles, je vous retrouve pour aller faire encore des produits de ma salle de bain. Par contre, je fais juste après la vidéo. Il me reste juste un truc, alors je vais aller reprendre des trucs. Comme ça. Ah, j'en prends pas 5 000 parce que bon. C'est des trucs genre que je vais mettre 5 000 ans à détailler. C'est des parfums. Ah, hein. Bon, bah, moi j'ai un an que j'arrive pas à faire mon pareil. Dans ce petit panier qui est indiqué Monsieur Boucher, il y avait, vous avez une brosse à dents violette qui est de chez Auchan. Si vous décrassez vous avez un petit format de mangue et fruits de la passion. Et ils sont limités smoothie en 20 ml et qui coûte quand même 5 euros. Je crois que ma mère me l'avait pris. Et il sent, mais trop bon. C'est une odeur d'été. Alors, hein, je vais plus pouvoir le mettre. C'est une odeur, mais on peut savoir. Mais je pense que là, avec là, tout, pratiquement tout cela qu'on a, c'est des odeurs d'été. Or, en cet été, là, j'en ai un autre que je vous présentais. Je vais les prendre. Ah, ça, je vais les garder. Je ne pars pas en vacances. Je pars. Peut-être 2-3 jours à Paris. J'aurais envie de prendre le bon flacon de parfum. Je en garderai peut-être. Je ne sais pas. On en reprendra un petit entre temps. Après, vous avez le mur sauvage que vous m'avez offert 20 minutes comme ça. Je vais aller. Et ici, on met trop bon la mur. Oh! Même quand je l'ai reçu, je me suis pitée partout. J'ai pitée partout. C'est un ami à moi qui l'a offert. Mais il sent trop bon. C'est une pure tuerie si vous voulez. Voilà, si le grand, je le vois un jour, et que j'ai mon argent, et que je suis si ébranchée, et qu'il y ait, c'est dans mon panier. Après, vous avez le moment de bonheur de chez Yves Rocher. Ça reste plus beaucoup. Donc, il ne reste pas, mais si, regarde, il en reste. Comme ça. C'est sympa. Ils sont trop bons. Et ma sœur ne veut pas partager. Allez, c'est bon. Après, vous avez un parfum qui a tourné d'odeur, que j'adorais l'odeur avant, c'est le fleur d'oranger de chez Fragonard, que j'avais vu, que j'ai gagné à un concours avec le truc Julie. J'ai gagné le livre, le tome 1. J'ai gagné ouais, le parfum qui va avec. Et l'odeur a tourné. Il sent très bon hein, cet hiver. Bon, je suis d'aller Madame Gamou, mais je pense. Cet hiver, je vais tourner entre ces deux-là parce que voilà. Mais là, je vais m'en mettre. Quand ils sautent pas la gueule du monde, c'est pas des petits trucs, c'est des 100 ml hein, quand même. Aussi, c'est Julie. Hein. Je pense que je vais super vite là, vous avez les parfums. Après, vous en avez deux autres qui viennent de chez Yves Rocher. Par contre, c'est vraiment des odeurs d'été. Alors, le premier, c'est un colis. Acheté quand elle était à Yves Rocher avec ma soeur, donc je ne savais pas, je lui dis ils ont été à Yves Rocher et ils avaient pris celui-là, puis ils m'ont dit bah, ça c'est pour toi, et je sais pas, il y a pas que moi qui s'en est servi, c'est le muguet en fleurs, peut-être que celui-là il y en a un autre, et il coûte 24 euros, mais celui-là elle a eu à 12 euros ma mère, qui est vert, hein, le muguet en fleurs, et qui sent bah, le muguet, mais c'est pas une odeur chimique. Prenez un truc du muguet, vous sentez, ça sent ça. Et je vous assure. Hein. Voilà, c'est vraiment comme si tu cueillais la fleur. Là. Après, vous avez le lilas mauve, que ma mère a pu s'en sentir l'odeur. Hein. Et ça va. Elle dit, bon coucher. Ça sent, attendez, je respire. Mais il y a l'odeur du muguet qui prend. Mais il sent. Mais trop près de mon nez. Il sent trop bon. Il sent lilas. Voilà. Après, vous avez deux masques de chez Yves Rocher. Vous avez en premier le masque, le gommage gourmand en noyau d'abricot peu éclatante. Ça. Qui est en 50 minutes et je crois qu'il coûte pas cher. J'ai pas souvent ébauché, mais c'est vraiment des grains. Oh putain. Le truc, on est là. Oh
Mais qu'est-ce que c'est? Et bon, je vais le mettre sur ma peau. Et il change 0 pour la toux. Et là. Quand vous avez des grains, c'est vraiment exfoliant. Il faut vraiment rincer. Voilà, et un autre qui part de tout à l'heure. Bah, c'est en 3 minutes, celui-là, c'est le masque là à la grenade de Spahn en 50 ml. 3 minutes. Et qui en fait est complètement rose. Et qui lui, voilà, quand on masse bien, il est un petit peu voilà, visible et tout. On laisse 3 minutes et ça fait la pelouse. Voilà, après vous en faites un truc. Après, j'ai encore le temps, j'ai encore plein de temps. On va monter ça, je vais prendre ma parrain, comme ça c'est lui. C'est le beurre de karité raisin gingembre de la marque Suada Nature. Qui est bien. Hein. Oh merde, c'est un bruit. Parce que le truc à l'intérieur il est complètement en miettes. Hein. Madame Cécile a encore fait des ravages. Genre il va tomber en miettes. Allez. Voilà. Alors je vais en prendre un petit bout. Et c'est vraiment gras en fait. Hein. C'est vraiment bien étalé. Et voilà, vous étalez bien. Voilà. Et on fait la pose doux. Voilà, il y a une odeur neutre. Il a pas d'odeur partie crouille. Je peux encore faire un truc sur mes mains et après c'est moi. Après, on dit donc de la gamme Pure System, je vais vous montrer les deux de ma sœur. Vous avez en premier le nettoyant désincrustant Pure System contre les boutons Clean PU. Et comme ça, c'est un gros bouton de 128 minutes et qui est assez liquide. Un petit peu jaune. Ah, là, il y a des petits grains, il est vraiment super sympa. Il n'y a pas des grands grains, c'est un petit peu écoulant. Je vais me rincer les mains. Là, si ma peau n'est pas toute douce, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là encore? Après, nous avons la lotion clarifiante. Le truc pour le système. Par contre, il m'a l'air d'être liquide. Ah, c'est beau de la sortie. Par contre, il m'a l'air d'être à la fin. C'est ici qui est verte. Ah, oh, c'est super bon. J'adore son odeur. Ah, oh, c'est trop bon. Et je vous assure, c'est vraiment une odeur super sympa. Elles sont super bonnes. C'est un petit peu la pomme, les amis, et tout ça. Après, nous avons quoi? On va arrêter dans ce qui est... du brochet de la collection c'est beau spécifique zéro défaut sans concentré anti imperfection. Bah c'est vraiment une imperfection, on voit qu'il est plein, il ressort bleu alors qu'il est vert comme ça. Ah, j'aime pas trop son odeur. Ah, il est dégueulasse son odeur, c'est une odeur de vieux truc pourri là. J'aime pas du tout cette odeur. Ah, oh, faut que je m'enlève tout de suite. Hein. Je vais mettre du savon et tout parce que je déteste. Oh, je déteste cette odeur. Si vous voulez savoir, j'utilise le mauve cristallisé. J'avais eu un anniversaire.
c'est une vraie horreur. Je ne pourrais pas vous dire tellement c'est une horreur. Après... Il y avait beaucoup de produits. Par contre, sur le truc, il n'y a plus de beaucoup de place. On va tout ranger après. Bon, j'ai fait vite, mais c'est bon. Voilà, je vais aller sur l'Europe. Et un truc que planète pas à l'avant de Jasmin de Provence, de chez Avon. Qui sont super bons, hein. Mais qui est nacré. Il y a des nacres, mais il est super collant. Et c'est une horreur comment il est collant. Après, ça m'a fond de teint de chez Yves Rocher, de la truc couleur nature. Ça fait des rendez-vous pour parfaite tenue 14h. Qui me va parfaitement, c'est carrément un truc. C'est carrément ma teinte, hein, je crois, avec qui va. Et ici. Alors là, voilà, ça fait vraiment blanc. Mais sur ma peau, ça fait beaucoup plus. Ah, c'est vraiment tes mains. Hein. Et sur ma peau, ça fait super sympa. 1, 2, 3. Un dentifrice! Tout le monde sait ce que c'est un dentifrice, on peut chouer. Oh, il a du bleu. En fait, il a du bleu. Sympa, hein? Il a du bleu et du bleu. Ah, mais c'est dégueulasse, en fait, le dentifrice. Oh! Et j'aime pas du tout cette odeur, elle est super forte. Après, vous avez la solution multifonction pour les lentilles soplos de chez Chris. C'est ma soeur pour des lentilles la journée. Voilà, qui sont vraies. Voilà les filles, c'est tout pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine paquet. Bon, il me reste quand même quelques trucs. Que je vois, ceux-là que j'ai fait, ceux-là que j'ai pas fait. Un gros bisous les filles. Mouah.